manifestement pour moi, là. Non, ça doit être pour la victoire. Ouais, oui, bonjour, donc Nadia pour les Gilets jaunes de Saint-Macaire. On a choisi nous un texte de Nantes révoltée, c'est un média en ligne et papier. Un texte qui nous qui reflète notre pensée, quoi, et aussi notre grand besoin de désobéissance en ce moment. Donc, le régime autoritaire qui détient le pouvoir en France annonce donc un couvre-feu à partir de 20h, à partir de mardi, et la suppression du réveillon du Nouvel An. Il n'y a plus l'ombre d'un doute, la décision d'instaurer un couvre-feu ne répond à aucune nécessité sanitaire. Le travail, la consommation et toutes les activités avilissantes restent autorisées, mais les relations essentielles sont réduites au minimum. Nous assistons depuis des mois à la suspension de toutes nos libertés dans le cadre d'un état d'urgence sanitaire indéfini. Jusqu'où ira le gouvernement dans le contrôle de nos vies et nos comportements? L'espace public est réservé au travail et à la consommation. Nous assistons à un processus extrêmement violent de destruction de l'idée même de vie sociale. Rencontres, discussions, fêtes, tout cela sera désormais cloîtré dans l'espace virtuel des sociabilités numériques. Quelle tristesse et quel monde aussi. Un monde où les humains n'auraient plus aucune liberté de choisir, au hasard d'une rencontre, d'une soirée, d'une discussion, un autre chemin que celui que l'État ou les géants du web traceraient pour eux. Nous observons avec amertume et inquiétude une véritable épidémie de dépression dont la seule et unique cause est l'assignation générale à résidence par un pouvoir qui, à force de loi et de répression policière, est devenu le geôlier de tout un peuple. Depuis 5 ans, nous vivons sous un état d'urgence permanent qui ne nous protège ni du terrorisme, ni des épidémies. En effet, qui peut encore croire que ce pouvoir se soucie de notre bien-être? Pas un jour ne passe sans qu'une nouvelle violence policière ne parvienne à nos oreilles. Pas une semaine sans qu'un nouveau scandale éclabousse le gouvernement et sa majorité. Nous avons vécu des mois de confinement, mais il n'y a pas eu de cessez-le-feu. Travailleurs exposés au risque de contamination, casse du code du travail, violence policière, assouplissement des réglementations écologiques, cadeaux colossaux aux multinationales, sans oublier la loi de sécurité globale. Et pendant ce temps où nous restons chez nous, incapables de nous organiser collectivement pour cause de distanciation sociale, les capitalistes, eux, préparent le monde d'après. Et ce sont ces mêmes personnes qui prétendent aujourd'hui nous soumettre à une mesure de couvre-feu qui rendrait la moindre escapade nocturne dangereuse, voire mortelle, si à tout hasard nous avions la malchance de tomber sur une patrouille de police. Car c'est bien ce qu'il nous est promis. Des villes sous la chape policière de 20h à 6h du matin. Des villes vides, froides, mortes, où les habitants apeurés sont calfeutrés et les maîtres rôdent en uniforme. Nous sommes habités de désir de vivre, de rire, d'échanger, et nous sommes prêts à lutter pour que notre monde ne devienne pas cet enfer qu'ils sont en train de dessiner pour nous. Telle est l'urgence aujourd'hui. Nous appelons tous, tout un chacun et tout un chacune, à s'organiser entre amis, camarades, voisins, pour faire battre partout dans les rues de chaque ville et de chaque village, dès le premier soir du couvre-feu, assemblée publique, concert de casseroles, apéro géant, musique, free party. Ouais ah là, il y a du monde, hein. Occupation de place ou de rond-point. Bar clandestin, tournoi de pétanque, Scrabble. Et faisons déborder de toutes parts leur dispositif de contrôle. Nous voulons tout, car notre appétit de vivre est au moins aussi grand que leur volonté de tout contrôler. Ouais ouais.
Sur le site de Nantes Révoltée, vous pouvez aller voir et suivre quelques pistes à partir du 15 décembre de choses qui s'organisent, comme des manifestations nocturnes, des fêtes sauvages, des réveillons déterminés, etc. Voilà. Merci. Oh.